Marco. Ha! C'est vraiment moi? Lève-toi. La nuit est sombre, plus de mal, plus de bien. Écoutez attentivement. Tu dois emmener les heures de la maison et partir de là maintenant. Il y a un danger. Prends également avec toi la maison de Bekwe. Vous tous devez partir ce soir. Il y a un danger. Absolument, tout sera dangereux. Le Igwe s'est résolu de détruire tout son être pour avoir été. Vous devez tous partir maintenant. Oh, Iranon. Allez-y. Cachez-vous dans la boue à côté du village et attendez jusqu'au matin. Débéré, viens vite, il y a une urgence ici. Confrère. Viens d'abord. Confrère. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Nous quittons cet endroit maintenant. Pourquoi maintenant? Pour aller où? Apaise-toi. On doit partir maintenant. Oui, Ndoka. Confort, s'il te plaît, je suis fatiguée. C'est la nuit. J'ai pas de force. Où tu veux que nous mourions dans peu de temps? Tu dis? J'ai pas envie de mourir. Il faut qu'on parte. Tu as dit maintenant. Ndoka est où? Partons. Lève-toi. Oui. Pasteur, je n'ai pas peur des Igwe. Ça, c'est la maison de mon père. Je ne peux pas quitter ici et aller ailleurs. S'il y a quelqu'un qui veut venir me rencontrer ici, voir le diable, je veux l'attendre. Mais Ndoka, sauve-toi et sauve ta famille, s'il te plaît. Nous ne partirons nulle part. Je peux protéger ma famille et moi-même. Oh, mon oncle, alors pourquoi ne pas laisser ta femme et ta fille venir avec nous? Ça sera un signe de faiblesse. Je ne partirai pas. D'accord. Allons-y. Que Dieu soit avec toi. Amen. Qu'il te protège. Amen. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Hé, arrêtez-vous. Arrêtez-vous là-bas. Vous cherchez quoi? Voilà, il est à vous, boss. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison à 7h de la nuit? Cela est-il supposé être une question? Où est ce pasteur? Tu n'as pas le droit de venir dans ma maison à 7h de la nuit pour chercher mes visiteurs. Islake, un seul mot, patron, et je le descends tout de suite. Cet homme n'arrive vraiment pas du tout à comprendre mon langage. C'est vraiment n'importe quoi, boss. Les gars, allez à l'intérieur. Emmenez-moi le pasteur. Ainsi que cette fille.
et ils ne sont pas ici. Alors tu le paieras de ta misérable vie. Avance, 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 oh, avance. Pourquoi tu me pousses? Hey, laisse-moi. Avance. Lâche-moi, s'il te plaît. Oh, je refuse. Oh. Madame, avancez là. Vite, allez, vas-y, grouille. Silence. Où est ce pasteur pour la dernière fois? Je ne sais pas. Femme, où est le pasteur? S'il te plaît, ils sont partis cette nuit. Ils sont partis cette nuit. Vraiment? Et où est cette enfant miraculeuse? C'est elle. Elle est là. Oh, très bien. Magnifique. Oh! Hey, silence, madame. Ferme-la. Un mot de plus et tu es morte. Silence. Silence, madame. Abouchoukou et Aberek, s'il vous plaît, quittez chez moi. Je vous supplie de quitter ma maison. Madame, s'il te plaît, qu'est-ce que nous avons fait de mal? À cause de vous, j'ai perdu mon mari et mon enfant. Je vous en prie, s'il vous plaît, partez. Je vous supplie de quitter ma maison. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame. Écoute, je sais que tu es un vrai homme de Dieu. Mais les nombres qui sont dans ce village sont très durs. S'il te plaît. Je ne saurais plus vous garder ici. T'aideront, oui, je pars. Egberé, va prendre nos affaires. Et puis on va partir. D'accord. Ok, d'accord. Okay. Calme-toi. Un enfant qui dit que sa mère ne dormira jamais ne connaîtra jamais le sens du vrai sommeil. Ce n'est que sur la voie de l'ignorance qu'un doigt est utilisé pour pointer un danger en mouvement. Cher frère, te voilà aujourd'hui face à face avec ta perte. Tais-toi, malade! Tu dois apprendre à t'adresser à moi proprement. Je suis le roi des jeunes. Le roi des jeunes. Le roi des jeunes qui... Tu dois apprendre à t'adresser au roi de la manière qui lui est destinée. Laisse-moi te dire quelque chose. Aussi longtemps que je demeurerai le roi des jeunes, le roi des jeunes de Zumuyo, qui t'incline toi, car tu n'es rien d'autre qu'un doigt dans le corps. Un jeune comme toi ne peut pas être contre moi. Ne permets jamais que cela se répète encore. Tu sais quoi? Il n'y a rien d'autre que la mort qui n'arrête pas d'appeler. Et c'est parce que l'enfant n'est pas du tout assez géant pour voir ce qui se passe au-delà de la parcelle de son père. Car pour lui, il n'y a aucune autre parcelle à part celle de son père. Tu es un fou. Mon père est le leader suprême de ce royaume. Pas un inconscient. C'est ce qui fait de toi le premier fou. Ça te rend plus fou que moi. Parce que ce que tu ne sais pas est que ton père est un bâtard, un imposteur. Je suis le roi des jeunes, la vraie Altesse Zumuyo. Que tu l'aies voulu ou pas, les gens comme vous sont mes sujets. Comment oses-tu appeler mon père un bâtard? Parce que c'est ce qui est très vrai. Très bien, ceci est ton arrêt de mort. Regarde-toi. Il y a quelque chose que tu ne connais pas.
Et ce que tu ne connais pas est plus grand que toi. Alors que je pensais que tu étais un homme, pourtant tu n'es qu'un petit garçon. Et tu penses que c'est facile de faire n'importe quoi avec moi. Tu te trompes, mais laisse-moi t'enseigner une dernière leçon. Quand un enfant passe tout son temps à parler du succès, il gagne le prix de la peur. Maintenant, prends ça. Tu y es très petit, mon frère. Quand tu ne sais pas comprendre lorsqu'on t'interdit, je vais t'enseigner une leçon que tu n'oublieras jamais dans ta vie. Je veux vraiment, sincèrement te remercier d'avoir guéri ma mère. Tu sais que je ne pouvais pas revenir ici pour l'amener à l'hôpital vu là où j'étais. Mais heureusement que Dieu a fait que tu sois là. Alors, j'ai décidé de revenir au pays. Et j'ai entendu dire qu'il y a un grand prophète ici dans la ville. J'ai décidé de revenir. Et c'est pourquoi je suis là. Mon frère, et il y a du ténèbre et du ténèbre dans ce village. Il sait. Et nous sommes là pour les stopper. Et nous devons les stopper. Il sait. Mais à part ça, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu et vivre dans une telle maison. Et est-ce mauvaise? C'est plus que ça même. Nous ne sommes pas permis d'être abrités quelque part. C'est lui qui nous avait donné où habiter. On l'a tué. Même toi, je suis vraiment surpris que tu sois encore en vie. Dieu est avec nous. Amen. Bon, je comprends. Dans ce cas, je reviens demain. Demain, je vous donnerai l'endroit où habiter avec ta sœur. Comme ça, vous allez rester là-bas pour un moment. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. Moi, je m'en vais. Merci, moi, je Dieu. M'en vais. Mais avant que je ne parte, prenez cette... prenez ça. Merci. Oui. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci, monsieur. Il n'y a pas de que quoi. Que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Je vous dirai un truc. Il n'y a rien que je puisse vous donner qui a vraiment la valeur de ce que vous avez fait. Bon, moi, je m'en vais déjà. Ok, soyez préparés. Préparez-vous bien. Beaucoup, je viendrai monsieur. Demain pour vous prendre, ok? Que Dieu vous accompagne. Amen, amen. Oh. Partez en paix, monsieur. Amen. Merci, Dieu. Oui. Prends ça. Hé, confrère. Confrère. Hé. Doucement. Mm-hmm. Alors, nous y voilà. Avanti. Je veux dire, désormais, ta sœur et toi resteraient ici dans cette maison. Dès à présent. Eh? Oui. Je suis impatient de voir ça ou... Au lieu que ta sœur et toi restiez dans cette maison inachevée. Non, je n'aime pas. Alors, dès aujourd'hui, voici chez vous. Hey! Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Et à part ça, je vous paierai 100 000 chaque mois. Hein? Oui. Hey! Grand frère! Merci. Je vous en prie. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Nous pouvons aller nous asseoir là-bas au salon pour que je vous offre un peu à boire. Ok, au moins. Ok. Mon oui. Dieu te Amen. Bénisse. Amen. Il y a une sérieuse conspiration contre nous. Je ne saurais me tenir devant eux deux. Adoya a réussi à influencer Oden Djendje contre nous. Ils ont réalisé beaucoup de sacrifices humains. Tu dois quitter ce village maintenant. Jusqu'à ce que je finisse avec la fortification et la purification. C'est alors que tu peux retourner. Quitter? Où irai-je? Tu dois aller en exil.
Sinon, nous périrons, moi et toi. Tu dois quitter maintenant. Le combat a pris une autre allure. Pars. Pars. Oh, c'est un bobo, Jerry. Obi, Ubiako. He's a child of destiny. He was born for this purpose. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît. S'il te plaît, je veux ton aide. Qui es-tu? Je suis le fils de Igwe Ibedebiogada. Oui, l'un des fils. C'est méchant, messieurs. Je vois, c'est Inkena. Oui. Oui, c'est quoi le problème? S'il te plaît, mon frère et ses gangs sont derrière moi. Je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Écoute, tout ce que j'avais comme pouvoir, toutes les fortifications m'ont abandonné. Écoute, je suis vraiment dans le pétrin. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que ça va? S'il te plaît, je veux ton aide. Hein? Tu y es couvert par le sang de Jésus. Amen. Personne ne va te tuer. Amen. Suis-moi seulement. Le Seigneur est avec nous. Oui. Oui, bien suis-nous. Personne ne va te tuer. Le Seigneur est avec nous. Suis-nous seulement. Suis-nous. Rien ne va t'arriver. Inkena, tu es spirituellement recherché par ton père et sa bande des esprits. Et c'est lui qui protège ce village, il va mourir. Mais que ferais-je? Honnêtement, j'ai besoin de ton aide. J'ai vraiment besoin de ton aide. Et tous ces dieux ici que j'ai servais m'ont déçu. Aide-moi vraiment à sortir de cette impasse. J'ai vraiment besoin de ton aide. Le fétiche finisse par échouer. T'as besoin de Jésus. La personne dont tu as besoin, c'est Jésus. Jésus? Est-il puissant? Les plus puissants même. Ikena, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ils sont nos ennemis. Je suis venu te prendre. C'est comme tu peux voir. Je suis de retour du monde des esprits. Je suis pleinement fortifiée et prête. Viens avec moi. Oh non, 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 non. Arrête avec ces bêtises. Je ne pars nulle part avec toi. Tu vois cet homme? Je suis avec lui. Il est très puissant. Il est très capable de défaire mon père. Je n'irai nulle part. Et tu vas garder tes pouvoirs pour toi-même. Laisse-moi calme. Tu peux quitter maintenant ma vie. Ne m'énerve pas. Du n'importe quoi. Inkena, pas moi. C'est Jésus qui va le défaire. L'aveugle. Est-ce que tu réalises qui est devant toi? Je suis Nemo, la déesse de l'Ouest. Celle qui contrôle les éléments célestes. J'ai tué et épargne à mon gré. Aucun humain défie mon autorité. Il est mon sujet. Je ne suis pas ton sujet. Je ne le suis plus. Il n'est pas ton sujet. Il est libre, couvert par le sang de Jésus. L'aveugle, tu tentes ma patience. Partons d'ici immédiatement. Femme, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Il n'y a pas moyen. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Dans le nom de Jésus, je te commande. Va-t'en! Va-t'en! Hein? Vous allez bien? Inkena, vous allez bien?
Ingena, lève-toi. Lève-toi. Comment est-ce que la grande Nemo est tombée? Où est donc ta fierté? Où est ton pouvoir? Il est Nguata. C'est comme ça que je t'appelle. Regarde-toi. Mystique, tu ne peux rien faire. Mais vas-y, montre-moi ton pouvoir. Tu n'es rien du tout. Nemo, regarde très bien le couteau qui va te morceler. Est-ce que tu le vois? Tu vas mourir comme une poule. Tu vas vraiment mourir comme une poule. Je suis l'eau qui escalade les collines et les montagnes. Oh Seigneur, Seigneur, pourquoi? Pas juste ça. Pourquoi Seigneur? Oh mon Dieu, non, ils ont tué toute la famille. Seigneur. Mais quelle méchanceté c'est ça. Jouer. Approche-moi de ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur. Qui est-ce? Ugo? Oui. Oh mon Dieu! Oui. Seigneur! Ingena! Est-ce vrai? Est-ce vrai? Oh mon Dieu! Seigneur! Pourquoi ça, mon Dieu? L'enfant est là-bas. Oui. C'est eux. Oui. Oh non! Hey! Qu'est-ce qui arrive dans son village? Pourquoi sont-ils très méchants? Hey! Hey, oh mon Dieu! Donnez-moi la cendre! Donnez-moi la cendre! Ok. J'ai besoin de la cendre! J'ai besoin de la cendre! Pourquoi sont-ils méchants comme ça? J'ai besoin de la cendre! J'ai les... Mon père, si ce que tu m'avais dit est vrai, je t'appelle maintenant. Maintenant, je déclare et prophétise. Tout celui qui prend plaisir en tuant toute cette famille, avant 24 heures, qu'il puisse mourir. Amen. J'ai dit qu'il puisse mourir. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Hey, ils ne vivront jamais la paix. Ils n'auront jamais la paix. Quelle méchanceté. Quel monde méchant. C'est pas vrai. Non. Quand le gouvernement m'a appelé et m'a parlé du contrat, je leur avais dit ceci. Cependant, il est vrai que je suis un ingénieur en communication. Mais j'ai comme l'impression de tout maîtriser bien.
Je suis un polyvalent, le maître de tout. Igwe, ce qui compte le plus, c'est l'argent. Le talent. Ah, mais oui, d'accord. S'il te plaît, garde un œil sur ça. Oui, j'arrive, s'il te plaît. En tout cas. Très bien. Regarde. D'accord. Omekanea, Ono, le prince de tous les garçons de ce royaume. Tu peux le dire encore. Est-ce que c'est toi qui es le vrai roi des garçons? Et non, c'est ah oui. cet idiot-là qui se fait passer pour le roi des garçons. Ce n'est pas lui, c'est toi le vrai. Maintenant, est-ce que tu es prêt? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mon prince, dis-moi un peu, combien d'argent va être impliqué dans cette opération? Selon les ententes que nous avons pour cette opération, tu vois. D'après notre source fiable, oui, il a dit que ce putain de van va transporter 350 millions. Attends, essaye de répéter un peu, j'aime entendre les sommes d'argent. J'ai dit que le van en question va transporter 350 millions. Quand j'entends des choses comme ça, j'ai vraiment la force. J'ai beaucoup de force, moi. Oui. Beaucoup de force. J'entends. Ça me donne beaucoup de force, mon prince. Tu vois, beaucoup de force. Igwe, je vous dis, après cette opération qui va réussir, mon nom va changer de Onowu ordinaire pour Onowu Mili Mili. J'adore ça. Onowu Mili Mili. L'argent est bon. Mon fils, tu y es mon fils. Tu partiras en paix. Aucun autre mauvais esprit te fera du mal. Notre moment de manger sera celui de parler de vision. J'ai des armes. Attention. qui est là? Ah, roi des jeunes. Ezumuyo. Regarde ce à quoi la vie t'a réduit. Un simple servant pour ce misérable pauvre et vieux fou. Tu sais quoi? Je vais faire du business. Et à partir de demain, je serai riche de 350 millions, mon cher. Toi ainsi que ce pauvre vieux fou, vous pensez que rien ne peut vous arriver. Eh ben, il se trompe, mon roi. Un couteau ne peut pas du tout pénétrer votre corps. J'aimerais bien voir ça de mes propres yeux. Roi des misérables, roi des mauviettes et de n'importe quoi. Sache que quand je vais revenir, tu auras ta sentence. Et ce sera même ta fin. Il ne va pas rentrer. Il ne va pas rentrer. Maintenant, écoute-moi très bien, pauvre vieux fou. Je suis l'héritier au trône. Je suis le roi de ce royaume. Absolument rien ne pourra m'arriver. Toi, tu n'es rien d'autre à part un véritable étranger. Je ne suis pas un étranger. Cette terre est aussi mienne. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'ai peur. Laissez-moi voir ce qui va se passer au moment même où je reviendrai. Ezumuyo. Je te préviens que tu ne vas pas revenir. Oh, désolé. Allons-y, les gars. Okay. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Est-il parti?
Abogo? Il est parti, grand frère. J'étais entendu dire que tu es de ce village. Oui, je suis de ce village. Je suis de ce village aussi. De quelle parcelle? De quel clan? L'esprit m'a dit que je suis d'ici. Et je crois à la voix de l'esprit. L'esprit de Dieu t'a dit que tu es d'ici. Je vois. Est-ce qu'on peut encore chanter? Continuons. Iyako. C'est comme ça qu'on t'appelle. Hey. Iyako. Une grande femme. Iyako. Hiyako! Hiyako! La déesse de l'Est. La déesse des eaux et des vagues. La grande rivière. Et de l'eau qui escalade les collines et les montagnes. Milina liubu nekumanya. Mimi ngo na milina liubu. Mi onya ngake ino ibonono. Milina liubu. Ana bro mpempem mili. Mba nono. Ana bro mili simugu amada. Mba da da da. Ombagum. L'auteur de l'énergie et des forces. Iyako l'auteur de l'énergie. Iyako l'auteur de forces. Oui. Ayez grand frère foin. Je vois quelque chose de très positif. Oui, dis-moi c'est quoi. Chalou, chalou. Cette opération connaîtra un très grand succès. Hein? Je le savais bien. Je le savais bien. C'est déjà un succès. Beaucoup d'argent. Quoi? L'argent? Beaucoup l'argent. D'argent, je dis. Hey! Sur ton chemin. Hey! Qu'est-ce que tu me dis comme ça là? Hein? J'aimerais l'entendre encore. Écoute-moi très bien. Je l'argent. Vois vraiment beaucoup d'argent, je te dis. Il y a beaucoup d'argent sur ton chemin. Oui, je te peux dis la vérité. Je peux le sentir. Hey! Ego. 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 Je vois beaucoup d'argent sur Ego. Ton chemin. Ego, il sait, en fait, c'est ça. Après, on t'a coché. Il y a que le mouet. Hein? Milina Liubu. On bagne go, on bagne l'or. Votre Majesté, il est évident que notre fin s'approche vraiment très très vite. Et ce qui m'inquiète encore le plus est que nous n'avons pas de fils qui vont vivre après nous. Même pas un seul fils. Ça c'est notre fin. Jamais! Ça ne peut jamais arriver. J'ai dit jamais.
Moi, Igwe, Oduag, Doduagubunse, Ebeli Douag Gadja 1 de Oumouike. Je ne peux jamais vivre et permettre ça. Ono, tu as vraiment raison. Obubagu est le petit-fils de notre grand roi. Voilà, il devrait être enterré avec au moins les têtes de cette femme. Exactement. Ah, jamais. Ça ne peut pas se passer comme ça. Laissez-les aller seuls. Laissez Igwe finir comme ça. Ça n'arrivera pas. Cette réunion est faite pour les individus de cette terre, pas pour les étrangers ou prophètes. Je ne suis pas étranger, je suis bel et bien enfant de ce village. Ne viens parler de n'importe quoi ici. C'est ce que demande notre tradition. Notre Igwe l'a bien dit. C'est ça la tradition. Ça se fera comme ça. J'ai dit que ça n'arrivera pas. Oui, ça ne peut pas. Jamais. Non mais, en fait, on continue. On va continuer. On va faire ça. Hein? C'est quoi ça? On va continuer. Allons. Ces gens que vous voyez ici sont parmi les grands représentants des dieux ici sur terre. J'aurais besoin de deux têtes de femmes, ainsi que un bouc et 250 000 liras pour acheter les éléments nécessaires. Ok. Très bien, on donnera. Et j'aurais besoin des parties intimes de 3 vierges, 2 rats, 3 poulets locales et 150 000 néras. Il n'y a pas de problème, je le ferai. Et j'aurai besoin de 2 garçons et de 2 jeunes filles. Et 50 000 néras pour le sacrifice. Ok. Et j'aurai besoin d'une jeune femme qui n'est pas encore mariée et qui n'a jamais eu d'enfant bien avant cela. Ainsi que 100 000 néras. Et aussi un bouc. Une vache. 2 boucs. Et 4 noix de kola. Et 100 000 naira. C'est tout ce dont j'ai besoin pour les rituels. Les grands maîtres, je vous donnerai tout ce que vous avez demandé. Oui, et pour mettre fin à cette oppression. Je veux que ces pasteurs stupides meurent, de manière à ce que j'ai le temps de régner sur mon royaume. Votre Majesté, vous pouvez en être sûr. Nous sommes ensemble dans tout ceci, parce que telle est la volonté des dieux. Cela sera un succès. Is it job? Réveille-toi s'il te plaît. Lève-toi d'abord. Lève-toi. Fais vite, lève-toi. Il y a un grand danger dans ce village cette nuit. Beaucoup de gens vont disparaître cette nuit. Igwe et ses hommes vont kidnapper beaucoup de gens pour leur rituel. Nous allons contourner ça. Réveille-toi. Va réveiller Inkena. Allez à la maison de Okochukwu, la maison de Demba, la maison de Chozoro, tous les autres. Allez là-bas, allez leur dire de se cacher où ils peuvent parce que quelqu'un va mourir. Hey, oui, je t'ai dit, quelqu'un va mourir. Jamais. Maintenant, enfin, pas. Non, je prie. Okay. Pas seulement. Prie. Je dois rester prier. Ce village est très dangereux. C'est très dangereux. Réveille-les, demande-lui de te suivre. Dieu est avec nous. Ils vont perdre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le peuple dehors, Igwe, devient complètement fou. Ils ne veulent plus rien entendre. Vraiment, moi je pense que c'est vraiment difficile de croire que tu n'as même pas trouvé, une seule personne. Tu n'as même pas trouvé une seule personne. Exact.
Laisse ces villages. Hein? Va dans d'autres villages. Va ailleurs et prends n'importe qui. Hein? Même s'ils fuient, prends-les. Et surtout, ne reviens pas ici sans aucune excuse. Va dans le plus profond là. Est-ce que tu m'as écouté? Maintenant, pars. Ne reviens pas ici les mains vides. Ne reviens pas sans ces bons résultats. Tu m'as compris? Votre Majesté, notre problème, c'est ce pasteur. Iyak! 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 On a canné tout. Iyak! Iyak! Kambo! Mirina Liubu! Nekouaya! La déesse de l'Est. La déesse des eaux et de vagues. J'escalade les collines et les montagnes. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Je te représente. Je me tiens devant toi et j'appelle la pluie. J'appelle la pluie. Que la pluie descende. Oui. Igwe. La déesse de l'univers a accepté ton sacrifice. Oui. Et pour l'aveugle, cet aveugle est mort. Aujourd'hui, c'est le jugement. Aujourd'hui, c'est le jugement. Les jours de la vengeance. Le voilà. Comme tu ne veux pas de notre existence, je vais te détruire. Iyako, la déesse de l'Est. Iyako est mon nom. Elle paraît beaucoup trop en forme aujourd'hui. La déesse de l'Est, la déesse des eaux et de vagues. Menelanyuwa, j'escalade les collines et les montagnes. Je n'abandonne jamais. Toi là, tu vas voir. Grand frère, qu'allons-nous faire maintenant? Oui, on va faire quoi? Quitter. Tu ne peux pas me détruire. J'ai été envoyé dans son village pour libérer les captifs et apporter lumière où il y a le ténèbre. Toi, un homme aveugle. Ok, moi. Mille là-dessus. Il coucoune un feu. D'accord. Achève cet homme. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Regardez-le. Un aveugle ordinaire. Le pauvre aveugle. M'as-tu demandé de les détruire? Finis avec lui. Que je le termine. Fais encore mieux. Brûle-le. Je m'accorde à ses paroles. Oui. Reçois. Femme.
Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais au nom de Jésus, sois brûlé, brûlé, brûlé. Hé, hey, Igwe, ne restons pas là. Allons-en. On y va, on y va. Peuple de ce royaume, ouvrez bien vos oreilles, oh! Ceci est un message du Ezemo ainsi que du Igwe. Ode Junji aura bien lieu demain. Donc tout le monde est censé rester bien chez soi. À bon attendeur, salut! Peuple de ce royaume, prêtez bien vos oreilles, oh! Ceci est un message du Ezemo ainsi que du Igwe. Ode Junji aura bien lieu demain. À bon attendeur, salut! Qu'est-ce qui se passe? Ndamere! Lève-toi, Ndamere! Remets-toi! Viens m'accompagner vers les fins fonds du village! Je veux être loin maintenant! Carrefour? Maintenant! Attends, grand frère! Sais-tu ce que ça veut dire aller au carrefour du village à 7 heures de la nuit? Hein? C'est trop, grand frère! Je suis fatigué. Ça, ce sont les instructions des dieux. Allons-y. Ne t'en fais pas. Allons-y. Allons-y. Rien de mal ne nous arrivera. Je suis fatigué. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Allons-y. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tiens-moi juste. Rien de mal ne nous arrivera. Sois calme. Sois juste calme. Rien de mal. Sois calme. Grand frère, s'il te plaît, ne pars pas. J'ai pas envie qu'il te tue. Je ne vais pas te perdre. S'il te plaît, rentrons. Pardon, je t'en supplie. Soyez calme, rien ne m'arrivera. Ils vont te tuer et j'ai pas envie de te perdre. Je suis en train de t'en supplier. Rien ne m'arrivera. Rien ne m'arrivera. Ça a toujours été le cas que rien ne t'arrivera. Je sais que rien ne t'arrivera. Mais s'il te plaît, ne pars pas. Écoute-nous. Écoute. Le grand Oden Junji, c'est un esprit. C'est pas un humain. C'est pas comme Yako. Pas un Yemo. C'est un esprit qui n'a pas de pitié. Pardon, je t'en supplie. Si quelque chose t'arrive, je suis fini. Je suis foutu. Un esprit qui n'a pas de bouche ne peut pas parler. Qui n'a pas d'oreille ne peut pas entendre. Qui n'a pas Dieu ne peut pas voir. Ne me découragez pas, laissez-moi partir. Le Seigneur est avec moi. Rien ne m'arrivera. Allez à la maison, attendez-moi. J'arrive. S'il te plaît, allez à la maison, attendez-moi. Eh, grand frère. Grand frère, s'il te plaît, allez. Eh bien, rentre à la maison. J'arrive. Strong and courageous. Righteous, you'll be victorious. I want you. Hey, I want you. On your terrain, we're going to get a pussy. Je ne sais pas qui tu es.
Mais sache que je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Montre-toi. Je peux te les montrer. Je n'ai pas peur. Aucun pouvoir n'est au-dessus de Jésus. Ce qui est à moi est plus grand que vous. Et je vous commande au nom de Jésus, disparaissez devant mon chemin. Disparaissez au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Papa, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Je suis confiant, papa. Ne me laisse pas. Sois toujours avec moi, papa. Encore une fois de plus, je ne sais pas qui tu es, mais Dieu m'a donné un pouvoir sur toi. À toi et à vous, mes ennemis. Et avec autorité, je vous ordonne de mourir par le feu. Dans le nom de Jésus. Soyez consumés par le feu. I want you cool, strong and courageous. Godly is the righteous. You be victorious. I want you cool, strong and courageous. Godly is the righteous. You be victorious. Okay, I'll go. No, no, but it's a deal. No, no, but it's a deal. Oh, dungeon. Oh, dungeon. Oh, dungeon. Hey, boy, your job. It is an amulum on every man, Amulia. Hey, Baba, ask Ramba, no, their number. Of what I got a club, we got one. Oh, dungeon. Oh, dungeon. Oh, dungeon. Oh, come. Oh, God, oh, Cosima. Iwo gugu nya kọmọ nẹ. 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 Ha! O so se gbọwọ ku. Ọkọ mẹ. Ha! Alsina bo. Odogun anya mẹ. Il que tu gonna plan. Mon aguaro. Mon aguaro. Oh dingi. Oh dingi. Oh ça bugo. Oh ça bolo. Ah que la carre l'impulo. Ah que la carre l'impulo. Lève-toi. 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 Oh Dieu, lève-toi. 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 Oh Dieu, lève-toi. 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 Mon Dieu, mon Mon Dieu, oui. Hébouez de Jog. Encore d'autres. Hébouez de Jog. Ah, on est pour la boule au Baba n'a pas la gueule à Zwago. On est pour la gueule à Bosso. Hébouez de Jog. Hop,
Au nom de Jésus, je ne connais pas qui tu es, mais ce qui est en moi est plus grand que ce qui est en toi. Dans le nom de Jésus. Hey, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Hey, Jésus, tu m'as donné le pouvoir sur tous ces esprits. Je n'ai pas peur de toi, dans le nom de Jésus. Hey, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je me tiens devant toi et je t'ordonne, sois consumé. Je peux voir. Je peux voir. Je vois. Mes yeux fonctionnent. Je peux voir. Seigneur Jésus. Jésus. Je peux voir. Je peux voir. Ngewanem, Olympia, je peux voir, je vois maintenant, je vois, je vois, je peux voir, regardez-moi, j'ai vu, je peux voir, quelle grâce, mon Dieu, sois loué Dieu, ma soeur, où est la maison est où, je peux voir, mes yeux ont fonctionné, je peux voir, gloire à Dieu. Mbang! Odenji, mbang! Eh, mes lettres! Allez, j'en ai, j'ai! Mbang! Eh, mes lettres! Hey! Odenji, Ndiana! Imemna, oula, piare! Odenji, Ndiana! Yavala, no more! Alu sho dali gogo iketugo langbulanya inozugo me iketugo langbulanya inozugo me pourquoi te plains-tu? Emelio Mille livres de la maman Massimo. Il va avoir du goût à Wano. Mille du goût à Wano. Il va avoir du bon à Wano. Il va avoir du bon à Wano. Igwe, Odenjinji a été vaincu par ce simple prophète. Toi, tu es qui? Et je n'accepterai aucune explication de vous tous. Vous êtes tous cuits et personne ne me mérite.
il y a une question que je me pose. Je me demande ce que nous devons vraiment faire. Que devons-nous faire pour récupérer notre reine dans ce royaume, comme c'était avant? Quoi? Et qu'en est-il des autres de tes collègues? Igwe, ils sont tous morts. Ils sont tous morts, Igwe. Hara. Hara, mais qu'est-ce que tu dis comme ça? Tu dois trouver quelque chose que nous devons faire pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici, dans notre royaume? Qu'est-ce qui se passe? La seule et dernière option, c'est d'aller vers le prophète et lui demander de nous pardonner. Hein? C'est ça. J'ai dit la seule option, c'est d'aller voir ce prophète et lui demander de nous pardonner. Et lui donner le trône à lui. Et Igwe, vous et Onowu devez vous agenouiller devant lui. Ah non. Hara, Onowu, est-ce que tu penses vraiment ce que tu es en train de dire là? Onowu, il est temps que nous trouvions une solution à tous ces problèmes. Croyez-moi, cela va bien au-delà de mes pouvoirs, oh. Oh. Ah. Tu es un homme très brillant. Igwe. Le plus brillant de tous les autres. Igwe, tout va bien? Tu es un homme brillant. Oh, merci beaucoup, Igwe. Mais comment se met-il à dire des bêtises comme ça? C'est très gentil, Igwe. Je suis sincèrement très très flatté. Igwe. Abomination. 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 Igwe, c'est quoi ça? Abomination. Foutu. Foutu. C'est les sorts qui tu es de faire réservé. Je suis fini. Tu en es vraiment sûr? Je ne peux pas vivre cela. Hein? Je suis fini. Et c'est fini Majesté. Pour moi. Majesté. 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 Aïe. Majesté. Majesté. Hey. Igwe. Igwe. Hey. Hey. Oh non, c'est quoi ça? Hey. Hey, Igwe. Vous tous sortez! Sortez! Sortez ici! Sortez! Sortez, vous êtes libérés par le sang de Jésus! Sortez! Sortez, allez-y! Allez-y, vous êtes libres! Allez-y, allez-y! Vous êtes libres! C'est Jésus qui vous a sauvés! Sortez, allez-y! Partez! Partez! Vous êtes libérés par le sang de Jésus! Coupez tout ça! Dépoussez! Dépoussez le tout! Dépoussez! Merci Jésus! Merci! Merci! Donne-moi! Donne-moi ces couteaux! Donne-moi ces couteaux! Donne-les-moi! Donne! Donc, nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons tout ça au nom de Jésus. C'est Jésus qui régnera ici. Ah! Et là-bas? Ce n'est qu'aujourd'hui que tu es sorti. J'espère que tout va bien. Je vous espère bien portant. Je l'avais dit. Je l'avais prédit. Grand-fils d'Obodo, salut.
Longue vie à vous. Iloba, de quoi es-tu en train de parler au juste? Onou est mort. Onou est mort. Je te l'avais dit. Je te l'avais bien dit. Hey! Et avant qu'il ne meure, il avait fait une confession. Il a confessé de sa propre bouche que Igwe Ibidigo Gada avait conspiré et puis a tué Igwe Obodo. Hey! Quel sacrilège, oh! Quel sacrilège! Hey! Oui, Obomchugu est le fils d'Igwe Obodo. Il est le fils biologique d'Igwe Obodo. Papa. Papa, pourquoi est-ce que toi, Igwe, et les membres du cabinet avaient banni Ayanomwa ou Mweko de cette communauté? Pourquoi? C'est parce qu'ils sont très mauvais. Là, je parle du méchant Odikenjinji. Écoute, laisse-moi te dire. Ils ont fait tout ça à Odemjinji à cause de moi. Es-tu l'un d'eux? Papa, tu me connais. Tu connais ton fils. Je ne peux pas être un de leurs. Hein, papa? Je ne peux pas être un de leurs. Je suis le propriétaire de ce plan-là. Papa, laisse-moi te dire. Je veux devenir le roi de cette communauté. Va dire au roi de se préparer, car cette couronne me revient. Je pense que tu es fou. Igwe a dit que ce royaume est pour la famille de Bodo, et toute notre famille est pour Onowu. C'est comme ça, mon fils. Ok. Papa, ne t'inquiète de quoi que ce soit. Papa, va lui dire que je viens récupérer ces terres. C'est soit je les récupère et il reste vivant, soit je le récupère tout en le tuant. Je ne suis pas dedans, oh. Dans tout ce que tu fais, moi là, je me lave les mains. Papa, peu importe ce que tu dis, ça ne me lie en rien. Va aller lui dire, ces terres me reviennent de droit. Je t'avertis. Tu es averti. Ça ne regarde que toi. Igwe, vous me cherchez. Exact. Et je veux te demander pour la dernière fois, es-tu impliqué dans l'affaire de Odejinji? Oui. Et pourquoi? Parce que je suis le nouveau roi. Abomination. Ceci est un sacrilège. La lignée royale de Umuke est incontestable. Hein? C'est héréditaire. Depuis les temps anciens. Hey. Arrête de me distraire avec tes mots. Que signifie tout ça? Je suis le roi et c'est à partir de maintenant. Abomination. Pas tant que je serai en vie. Alors tu mourras. Tu es banni de cette terre à tout jamais. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici, vous? Vous étiez banni de ce village.
tu mourras. N'importe quoi. Je suis curieux de voir comment tu régneras sur moi encore. Prends tes hommes. Va dans le palais d'Igobolo. Tue-les. Tue sa femme. Tue tous ses enfants. Tue tout le monde vivant là. Et rapporte la couronne. Je dois prendre possession de tout ce royaume. Pars et prends tes hommes. C'est comme si c'était fait. Comment est-ce que ces fous pouvaient marcher sur moi? C'est impossible. J'ai tout le bien des parcelles. Le royaume de Mouquet, voici venir ton nouveau roi. Combien il est bon de régner. Je régnerai sur son royaume. S'il te plaît, ne me tue pas. S'il te plaît, épargne ma vie. Je ne veux pas te tuer. Tu es trop belle pour mourir. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu sais que c'est interdit dans notre royaume. Si tu me fais ça, je suis enceinte. Je deviendrai folle. Igwe Bilbi Ogala, qu'est-ce qu'il y a que tu aimerais que le Dieu fasse pour toi? Parle! Odejiji, le grand démon de cette terre, t'écoute. Anoumo, je veux être spirituellement fortifié. Je veux être le plus puissant dans tout ce royaume. Je veux être le plus riche dans ce royaume. À telle enseigne que personne ne soit capable de me rivaliser. Et qu'aucun esprit ne soit capable de me rivaliser. Ainsi soit-il. Un prédateur. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Il ne peut pas y avoir de paix pour un méchant. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Je le savais. Je savais que ces deux-là étaient maléfiques. Hey, mais non, laissez-moi aller me reposer. Nous n'avons jamais su que tu étais de ce village aussi. Maintenant que nous le savons, pas seulement que tu es de ce village, tu es aussi un héritier au trône. Nous sommes venus te supplier de devenir notre roi. Sois notre roi, parce que ton défunt père, Igwobodo, était un homme honnête et très ouvert durant son règne, parce qu'il y avait la prospérité. Il y avait de la prospérité. Nous, les anciens de ce royaume, te soutenons à 100%. S'il te plaît, sois notre roi. Mes anciens, j'ai entendu ce que vous avez dit. Dieu avait prévu tout ça par sa volonté. Raison pour laquelle il avait mis ma vie dans le pétrin. J'ai accepté d'être votre roi. Je serai le roi. Mais faites-moi cette faveur. Oui. Inkena sera l'Onohu. Parce que être Onohu, c'est le droit de leur famille. Oh, ça c'est bien. Nous soutenons cette idée à 100%. Oui, oui. Merci. Merci beaucoup. Oui. Regardez-le-moi. Merci beaucoup. Ça, c'était très bien.
Igwe. Regarde-toi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas content. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose que je vais discuter avec toi. Hein? Je t'écoute. Tu sais que je vais bientôt devenir le roi de cette communauté. Je le sais. C'est très embarrassant pour moi. Hé! Hey! Ne répète plus ça. S'il te plaît, ne répète plus jamais ce genre de choses. Qu'est-ce que tu as? Hé! Hey! Abomination! Comment ça? Tu veux épouser ta propre sœur? Mais nous n'avons pas le même sang. Nous ne sommes pas des mêmes parents. Et je vais t'épouser. En quoi est-ce que c'est une abomination? S'il te plaît. Non, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, arrête, arrête, je n'apprécie pas ça. Tu es la seule femme que j'ai connue dans toute ma vie. Tu veux que je fasse quoi maintenant? S'il te plaît, épouse-moi. Laisse-moi, s'il te plaît, c'est quoi ton problème? C'est une abomination. Je ne veux pas de ça. Ne le répète plus jamais, je t'ai dit. Ah ah! Maman, maman, je le considère toujours comme mon frère. Je ne peux pas faire ça. Ah ah. Maman, nous avons grandi ensemble, nous avons joué ensemble et nous avons tout fait ensemble. S'il te plaît, essaye de comprendre. Eh bien, ma fille, je te comprends parfaitement. Je sais que tous les deux, vous avez été élevés comme frères et sœurs depuis toutes ces années. Mais s'il éprouve autrement, on n'en peut rien faire. Il a toujours voulu avoir plus d'intimité avec toi, comme sa femme. Eh bien, là, je veux que tu essayes de penser. Ce n'est pas une abomination. Non, puisque tous les deux, vous n'êtes pas ici de même parents. Oui. C'est vraiment dur pour moi. Je n'arrive pas. Je te comprends. Mais je veux aussi que tu prennes le temps de réfléchir. Je sais que ton instinct ne te laissera pas faire. Umikeke nemun. Bien. Ngono. Kwakusono. Par le pouvoir qui m'a été donné comme l'honneur du royaume Umuike. Le faiseur du roi, je me tiens ici pour remettre la couronne que mon père, Igwe Ibebi Ogada, les avait arrachée. Je me tiens ici et je le confère à Obomchukwu Agodo, Ogutchukwu Nyaro, premier du royaume Umuike, dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Igwe! Et à sa très jolie femme, Dibase Saifu Wanyamadia, je me tiens ici et lui confère ce symbole de la paix
du royaume Umuikie. Igwe! Je remercie tout le monde ici. Et je vous remercie d'avoir fait de moi votre roi. Et je remercie le Dieu qui a fait que tout soit possible aujourd'hui. Exact. Que son nom soit glorifié. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux vous présenter ma femme, qui est la plus importante dans ma vie. Mais avant de la présenter, laissez-moi vous dire quelque chose. Un homme méchant a rendu ma maman folle. Et il y a une personne qui a sauvé ma vie, qui allait pourrir déjà. Et cette personne m'a amené chez sa sœur, qui a pris soin de moi. Et quand elle est rentrée ici, ces hommes méchants ont fait d'elle une esclave pendant 45 ans. Hey. Avant elle, on a tué son mari. Hey. Hey. On a tué ses enfants. Hey. Et Dieu l'a finalement délivrée. Un monde sans pitié. Elle est très importante dans ma vie. Maman, laisse-les vous voir. Wow. Wow. À partir d'aujourd'hui, c'est la maman de Obumchuku Ogudo. Obunyenga Benye du royaume de Umuike. Elle est ma maman. Et aussi, je veux apprécier la femme qu'elle a utilisé pour sauver ma vie. Heureusement, elle est ma belle-mère. Maman. Maman. Maintenant que la musique joue, mangez, buvez et dansez. Oh non. Le studio de doublage d'Afore.